Recette 2 en 1, moelleux et fondant au chocolat. Ici, il nous faut 300 g de cacao en poudre, 4 œufs, du sucre 90 g, 120 g de farine, 100 g d'huile neutre, bien sûr, parce qu'il ne faudrait pas une huile forte en goût. Alors, pour tout ce qui est sucre, farine, huile, utilisez un pot de yaourt. Et même le lait, il vous faudra 100 ml, c'est l'équivalent d'un pot de yaourt. Et la farine, c'est un pot de yaourt et demi pour avoir la quantité de farine que je vous ai indiquée, 120 grammes. Donc là, on mélange vraiment de manière très énergétique. Et ensuite, on pourra rajouter un sachet de levure. À partir du moment où vous rajoutez la levure, vous devez y aller délicatement, très délicatement. Au montage, ça ne semble pas être le cas, mais j'y vais vraiment délicatement. Là, ça va être enfourné. Vous verrez qu'on va faire ça en deux parties. La partie extra moelleuse ira dans le grand moule en pyrex au four à 180 degrés pendant 25 minutes. Ça, c'est pour l'extra moelleux. C'est un mi-moelleux, mi-fondant, mais il est vraiment très moelleux. L'autre partie, par contre, ira dans de petits moules à 200 degrés pendant 7 à 8 minutes au four. Et on rajoutera du chocolat blanc et du chocolat noir au milieu. Ça, voilà, c'est facultatif, mais j'aime bien. Voilà. Et ça nous donnera ce cœur coulant, fondant, qui est typique de cette recette-là. Mais c'est pas obligatoire, c'est juste ma préférence à moi. Voilà, l'extra moelleux est prêt. Si vous le voulez aussi fondant dans le grand moule, vous pouvez le mettre avec 5 minutes en moins au four. Voilà. Et voilà, les petits moules aussi sont prêts. Donc, comme je vous disais, voilà, regardez, vous voyez que la dégustation, voilà, le cœur est vraiment coulant. C'est bon. Donc pour le grand moule, si vous voulez un cœur vraiment, voilà, vous pouvez faire ceci au lieu de 25 minutes. Allez-y à 18-20 minutes, toujours à 180 degrés, et vous aurez un cœur coulant comme ça, sans même ajouter le chocolat. Je parle bien du grand moule, celui-là. Voilà, bonne dégustation. Miam, miam, et à bientôt pour d'autres recettes.